D'un côté les garçons et de l'autre les filles. Y avait les sans zizi qui étaient les moins forts et les avec zizi qui étaient les plus forts. Filles ou garçons, c'est un spectacle musical tout public à partir de 4 ans avec Marion Roxin et Éric Doria. Un truc aux filles, un zizi pour les uns, pas de chance pour les autres. En tous les cas, pour Max, la vie semblait facile. Est-ce qu'on peut être une famille si on n'a qu'une maman, qu'un papa? Ou bien deux mamans, deux papas? J'ai eu envie d'écrire sur l'identité, l'altérité, sur la difficulté de grandir, de se transformer. Que je danse le cœur nu sous la lune et que tu me rejoins emporté par le vent. Tu ondules avec moi, je m'égare dans tes dunes. Surprise, j'entends battre ton cœur à contre-temps. Mignon, jamais tu touches à l'accordéon. Oh non, mais dis donc! Il me met dans tous mes états, c'est lui mon gars. À l'évidence, la douceur, ce n'est plus dans l'air du temps. Où l'innocence et la candeur se cherchent encore des parents. Mais comment parler de la France sans mentir à nos enfants, quand le futur est en partance et qu'il a pris son élan? Excusez, menace, dangereux. Ce qui d'âme paniqué dans. Malaxe, excusez, menace, dangereux. Sereine derrière le peloton, plus courir après l'attention. Sourire bien avant l'arrivée. La route est plus longue que l'instant où la foule acclame les gagnants. S'offrir le temps, lever le pied. 20 ans qu'on se connaît à peine, 20 ans qu'on se frôle des yeux, 20 ans d'utopie mitoyenne, 20 ans de rêves délicieux.